Bonsoir. Bonsoir. Donc Wolfgang Wackernagel, nous avons le plaisir de vous accueillir Renouveau Médiéval, qui est en marge du Salon de l'Histoire de Pontoise, Food Histoire de Pontoise. Et vous êtes l'éminent spécialiste de Maître Eckhart, c'est bien ça? Un éminent, oui. Disons, oui. Effectivement, c'est la chose qui me marque le plus, c'est d'avoir fait de nombreuses publications sur Maître Eckhart, une thèse de doctorat aux éditions Vrin, à Paris, et puis ensuite de nombreux textes ou traductions, et puis évidemment aussi des choses sur d'autres thèmes par la suite avec la radio. Mais c'est effectivement ce qui me colle le plus, disons, au personnage. Oui, et qu'est-ce qui vous a amené précisément sur Maître Eckhart? Ah, c'est très tôt déjà, je me suis intéressé vers 15-16 ans, bon, de façon à différentes cultures. Et c'était une période où on s'intéressait aussi beaucoup à la spiritualité, au yoga, et puis en fait aux spiritualités qui venaient d'ailleurs que d'Europe, parce que le monde s'ouvrait. Et j'ai découvert Maître Eckhart, c'est un paradoxe, chez les Japonais, chez Daisetsu Tetaro Suzuki, je lisais des livres sur le zen, et il citait Maître Eckhart, et après j'ai aussi lu quelque chose sur l'hindouisme, un certain Ananda Kakoma Swarami, je n'arrive plus à prononcer. Et c'était aussi Maître Eckhart. Je me suis dit, ah mais c'est intéressant. Puis ayant grandi, parce que j'ai grandi dans différentes cultures, je suis trilingue, j'ai grandi avec les trois langues, hein, anglais, allemand, français. C'est des choses qui aussi vous marquent. Étant à cheval, dans cette interculturalité, je me suis a priori aussi intéressé à l'interreligiosité. Et c'est là où j'ai découvert qu'il citait un maître chrétien qui était interreligieux, interculturel, qui fascinait des maîtres zen, qui fascinait des hindouistes, tous ces gens qui cherchaient un dialogue avec l'Occident et faire une sorte de comparaison entre l'Orient et l'Occident, se référaient à Maître Eckhart. Et en faisant mes lectures à ce sujet-là, donc par des orientaux, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui, du point de vue langue, était aussi très intéressant, parce que comme moi, il était multilingue, et en tout cas, il a produit une œuvre considérable, dans deux langues très différentes, en latin et en Mittelhochdeutsch, qui est donc une des formes de langue du Moyen-Âge, l'état du Moyen-Âge, assez proche du suisse-allemand d'ailleurs. Et alors quand vous avez découvert donc toutes ces, j'imagine c'était les années 70, à peu près, oui, quand vous avez découvert près, toutes, oui, les philosophies dites orientales et Maître Eckhart, est-ce que vous aviez déjà, parce que vous avez fait des études de théologie, de l'histoire des religions, etc., philologie, est-ce que vous étiez déjà dans ces études-là, ou est-ce que c'est la découverte de ces philosophies, de ces religions et de Maître Eckhart qui vous a amené aux études? C'est effectivement le souhait de faire un lien entre l'Orient et l'Occident. Il y a une période où j'étudiais le sanskrit, j'ai poussé le sanskrit assez loin de cette période-là, et puis je rêvais de faire une sorte de suite de Rudolf Otto, Maître Eckhart et Shankara. Mais ensuite ça a évolué parce que j'ai réalisé qu'il fallait plus que je redécouvre l'Occident, mais avec un regard de quelqu'un qui est passé par la sagesse orientale, qui s'est détaché en quelque sorte de ses origines. Mes parents sont, enfin mon père est catholique, ma mère est protestante. C'est déjà, autrefois ça faisait déjà un clivage, mais aujourd'hui ça n'a plus grande importance. Voilà. Je dirais que ma religion, c'est la philosophie, avec un arrière-fond judéo-chrétien et une visée universaliste. Voilà. Oui. Et vous avez écrit votre thèse sur Maître Eckhart, évidemment. Oui, bon, déjà un mémoire, ça s'est fait progressivement, oui. Ouais. Donc éthique de l'image et métaphysique de l'abstraction chez Maître Eckhart, donc imaginez des Nudari. Oui, ça c'est tout un titre, quand je vois ça, je me dis c'est incroyable que j'ai fait une chose pareille. Et c'était vraiment un travail de très longue haleine. Et je dois dire avec plaisir aussi que c'est un livre qui ne vieillit pas. Ouais. Ça fait déjà longtemps maintenant qu'il est publié. J'ai réussi, c'était tout un chemin. Enfin, une thèse, c'est de façon toujours un cheminement. Mais j'aurais jamais imaginé que j'aurais eu le privilège de pouvoir éditer ça aux éditions Vrin. C'est tout de même place de la Sorbonne. Enfin bon, je crois qu'on ne peut pas hésiter à dire que la librairie Vrin est une des meilleures librairies éditions philosophiques francophones. Pour pas dire du monde, disons vraiment des choses fabuleuses. Donc oui, voilà, j'ai fait cette thèse sur un thème très particulier, à savoir l'image. Donc ça, c'est peut-être aussi un peu mon arrière-fond artistique qui était toujours là. Un temps, je pensais faire l'école des beaux-arts. Je faisais toujours de la photographie, donc les problèmes d'image m'intéressaient. Et j'ai vu que chez Eckhart, outre la spiritualité qui me fascinait parce que je la trouvais extrêmement moderne, j'avais la conviction, grâce à des maîtres orientaux et occidentaux, que ce maître-là était une référence, donc je l'ai un peu fait pour mon élargissement, mon développement personnel. Je me suis plongé dans Maître Eckhart,
Et j'ai cherché un sujet de thèse, et c'était finalement la question de l'image chez Maître Eckhart. Parce que Eckhart utilise d'une part un langage très imagé, on a des métaphores très abondantes chez Eckhart, et puis aussi, il y a différents sens de l'image dans l'usage de l'image. Il y a un sens théologique, effectivement, l'homme, il y a un sens anthropologique, l'homme créé à l'image de Dieu. Le sens théologique, bien sûr, c'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils étant l'image du Père. Donc toutes ces problématiques théologiques qui ont été énormément commentées au Moyen Âge, aujourd'hui, on ne s'en soucie plus tellement. Et donc aussi un sens plastique qui est celui de l'art. Et c'est là où je suis tombé sur cette notion de Endbildung, des imaginations. Et j'ai trouvé particulièrement fascinant quelqu'un qui est visiblement attaché à l'image, au visuel, comme je le suis d'ailleurs aussi, et qui vous parle d'abstraction. Voilà. Parce qu'au fond, on peut traduire des imaginations ou Endbildung par abstraction. Et là, on est en plein dans la problématique de l'art contemporain, de l'art abstrait, avec Kandinsky, Malevitch et tous ces gens que j'allais voir aussi à l'époque. J'étais pendant un an à Munich et il y avait la maison de Kandinsky. Donc ces problématiques se reliaient. J'avais l'impression qu'à travers ce prisme que constitue Maître Eckhart, j'arrivais à voir énormément de choses et que c'était une sorte de référence qui permettait de voir en diffraction le monde et avoir une vision originale, autant sur le Moyen Âge que sur le monde moderne. Et je crois que ça m'a assez bien réussi, ce parcours très long avec Maître Eckhart, qui est quand même une discipline, je peux même dire une ascèse, disons juste pas Oui. moine, mais j'ai un petit côté monastique, un côté ascétique, mais j'ai aussi un côté bon vivant. Voilà. J'ai les deux. Très bien. Voilà. et alors bon pour situer un petit peu Maître Eckhart parce qu'on évoque Maître Eckhart, donc est-ce qu'on peut le situer dans le temps Oui. un petit peu et Oui. donc le contexte également dans lequel donc ces thèses apparaissent avant d'envie de rentrer un petit peu dans je ne sais pas d'ailleurs si on doit parler de ses enseignements, de ses doctrines, de sa philosophie, parce qu'on parle de Maître Eckhart, comment on en est Oui, venu à c'est l'appeler Maître. surprenant. Oui. Donc à quelle époque déjà se situe Maître Eckhart? C'est un parcours atypique, mais commençons donc par les dates, effectivement. Il est né vers 1260, on n'a pas toujours les dates exactes au Moyen-Âge, et sa date de mort, on ne la connaît pas entièrement non plus, parce que sa fin de vie, c'était quelque part aussi à la fois une tragédie et quelque chose qui lui ressemble, parce qu'au fond, il a disparu comme ça. On ne sait pas où il est enterré, il n'y a pas d'ossements, enfin pas de tombe, il n'y a pas de tombeau de Maître Eckhart, parce qu'il y a eu un procès, il a été condamné. Donc il est né vers 1260. D'un père qui était chevalier, vraisemblablement quelque part dans le sillage des chevaliers teutoniques. Il y a dans les recherches Hermann von Salsa, donc l'Amen Salsa, qui est le premier grand maître des chevaliers teutoniques. Mais lui a pris une autre voie et il a été donc placé dans le couvent des Dominicains, Erfurt, très jeune déjà. Et il a été repéré comme quelqu'un de brillant, donc il a fait une ascension rapide dans l'ordre des Dominicains. Et les Dominicains, à l'époque, c'était aussi saint Thomas d'Aquin. C'était la redécouverte de la philosophie antique, Aristote, notamment, via la pensée arabe aussi, il faut le dire, Avicenne, Averroès, Maïmonide aussi, la pensée juive. Toutes ces choses, il y avait des convergences assez fabuleuses dans ce XIIIe siècle où Eckhart a grandi. Et donc Eckhart a vraiment pris le meilleur de tous ces aspects dans une approche qui est, pour l'époque, il faut quand même le dire par rapport à d'autres penseurs chrétiens de l'époque, étonnamment universaliste. En ce sens, donc, qui rassemblait les Oui, différents courants, les oui. différents Moi, je pense, traditions oui, précédentes, c'est ça, voilà, vous voulez dire? voilà. Les différentes traditions et les différentes langues. Moi, je pense que cela vient en partie, c'est peut-être que je parle pro domo pour, au fond, ma propre expérience. Il a grandi dans plusieurs langues. Oui. Il a grandi avec le Mittelhochdeutsch, il a appris le latin, mais il a travaillé dans les deux langues. Et donc là, au fond, ça, c'est déjà une interculturalité, en fait, parce qu'on sait combien l'univers des langues latines, donc aussi le français, et l'univers germanique des langues allemandes, peuvent être un mur et même une cause de conflit. On l'a hélas vu avec le XXe siècle, c'était quand même assez tragique. Et donc, je pense que peut-être ça a déjà fait qu'il a cherché à voir des ponts et il a toujours vu un autre aspect, que peut-être on pouvait voir les choses selon différents points de vue et voir aussi que le monde est un paradoxe. Il y a beaucoup ce sens du paradoxe chez Eckhart qui, à mon avis, est d'une très grande modernité parce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est dans une grande transformation, le paradoxe est aussi quelque chose
avoir le sens du paradoxe, ça vous aide à vivre, je veux dire, c'est ça même. C'est pas juste avoir le goût du paradoxe et dire waouh, c'est quand même dingue, on est dans un monde complètement paradoxal. Je crois que je vous acquiescez de la tête, donc c'est bien ça, il y a plein de choses dans notre réalité de la vie. Bah, par exemple, entre ce qu'on voit ici au marché historique de Pontoise, et vous sortez, vous voyez les voitures, etc., et ces gens qui sont tiraillés entre la nostalgie du passé, mais qui au fond mise en scène. Et si on prend ça avec humour, c'est fascinant, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à être à Pontoise. Donc Eckhart, la même chose. Dans son époque, c'était une période assez turbulente, notamment pour l'ordre politique dans les États de... On ne peut pas dire vraiment l'Allemagne, à l'époque c'était ce qui restait de l'Empire romain germanique, ou Saint-Empire romain germanique, je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce qu'il était saint? Il avait ses qualités, ses défauts. Il y avait des rivalités entre le pape et l'empereur, comme on le sait. Il y avait des rivalités aussi entre Louis de Bavière et le pape, et le pape a proclamé Louis de Bavière hérétique, et du coup d'autres ont proclamé le pape hérétique. Donc c'était très turbulent tout ça. Et on n'avait pas un seul pape, il y avait des papes et des antipapes. Imaginez un peu aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient et dit, voilà, ben bon, le saint pape que nous avons, je suis en partie catholique par cette influence, donc je le dis, mais avec légèreté, hein, je ne représente pas du tout ce monde, je suis avant tout philosophe. Mais on imaginait ça, et dans ce monde, lui, il grandit, voit ses paradoxes, et ça a marqué son œuvre. Il a produit une œuvre considérable en langue Mittelhochdeutsch, moyenne-allemande, donc en langue allemande, peut-on dire, mais du Moyen-Âge, et... en langue latine. En langue latine, c'est ça. Voilà. Et vous avez traduit certains de ces ouvrages, vous les avez commentés, vous les avez annotés. Il y a une grande demande. On peut dire, oui, c'est ça, au niveau libraire, je suis comme heureux d'en montrer un. Il y en a quatre qui sont parus chez Payot, aux éditions Payot Rivage. Oui, donc là, conseil spirituel. Oui, d'ailleurs pas cher du tout, j'entends. Donc c'est quelque chose qui est fait pour la grande diffusion, et surtout le premier, la conseil spirituel, c'est vendu énormément, j'ai pas les chiffres, il faut que je demande à mon éditeur. Mais je suis étonné combien les gens aussi en francophonie sont intéressés par Maître Eckhart. En partie, j'arrive à expliquer ça, et en partie, c'est un mystère. Peut-être parce qu'il s'appelle Maître, parce que les gens... Donc en tout cas... Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Maître, justement? Ah oui, venons... Oui. Alors ça, c'est donc dans son parcours d'études et ensuite son accomplissement. Il est en fait devenu docteur. Oui. Et au fond, il est maître au même titre que... Thomas, donc on pourrait dire Maître Thomas, ou que d'autres qui ont aussi fait le même cursus, d'ailleurs à la Sorbonne, à Paris, hein, donc ici on est près de Paris, le génie du lieu est très fort dans notre conversation, puisque nous sommes à Paris, et puis Eckhart a fait ses études ici, Thomas y était aussi, il a occupé la chaire de Thomas d'Aquin à deux reprises, et c'est là que lui venait ce titre, mais le titre lui est resté à cause de la langue populaire. C'est parce que dans les sermons qu'ils donnaient en allemand, ils ont gardé ce titre, Maestra, et c'est resté en quelque sorte comme une sorte de légende de ce maître. Peut-être même justement parce que tout à coup, ça s'est perdu. Il y a eu une condamnation pour hérésie, et pendant deux siècles, on n'a plus parlé de lui officiellement. Mais par contre, beaucoup de gens l'ont porté dans son cœur. Ils disaient, ah oui, zur Zeit, Meister Eckhart, da war ein Meister Eckhart, ein großer Meister. Je parle un peu allemand comme ça. Oui. Et donc, en français. Voilà, et on voit, et ça donne maître, et c'est resté ce terme de maître Eckhart. Le nom Eckhart est aussi un nom légendaire, je me suis intéressé à ça. Et ça, ça plaira certainement à certaines des gens qui sont à Pontoise, qui rêvent de chevalier ou de princesse. Il y avait une sorte de fidèle Eckhart, et la notion de fidélité dans la chevalerie, tout ça était présent, et ça, c'est beaucoup plus ancien, ça remonte... quasiment encore au temps des Romains, ou la chute de l'Empire romain, la période des grandes migrations, qui était aussi une période très, très troublée, et là où s'est développé cet idéal de chevalerie. Et donc le nom propre d'Eckhart est un nom qui reflète cet idéal, et c'est peut-être aussi une chose qui a plu aux gens. C'est d'autres légendes, il y a deux personnages, hein, et ces légendes se sont en quelque sorte influencées l'une l'autre, et ont sans doute aussi contribué simplement a priori au prestige du nom Maître Eckhart. Mais c'est effectivement parce qu'il a eu une grande renommée, et ensuite ça c'est devenu un peu évanescent, mais qu'il en restait, que c'est devenu une légende. Voilà. Ouais, et cette légende a porté au fond les œuvres, et les gens ont continué à les copier, notamment les sermons allemands qu'on a trouvés dans toutes sortes de manuscrits. Et ensuite, il a été réhabilité, notamment par Nicolas de Cuse, et on a retrouvé une grande partie de l'œuvre latine, sans doute pas tout. On ne sait pas s'il a vraiment achevé son œuvre, parce que c'était un projet très ambitieux, ou ce qui s'est passé exactement. Mais c'est à cause du fait qu'il était magister à la Sorbonne deux fois,
vers 1300, j'ai plus les dates exactes, 1303 je crois, et ensuite 1311, 1313 environ. Il était à Paris, il enseignait qu'il a gardé ce titre. Et est-ce qu'il donnait des enseignements proprement dit? Oui, bien sûr. Oui. Il avait une charge, il avait à la fois une charge professorale, théologique, mais très imprégnée de philosophie. Hein. C'est d'où son intérêt, il avait une érudition très grande pour l'époque. Et dans son œuvre, il cite toutes sortes d'auteurs qui remontent avant Socrate, les présocratiques, Anaxagore. Il aime beaucoup cette phrase d'Anaxagore, « Tout est dans tout ».« Panta, pantos, moiran, metere ». Cette phrase le fascine. Et je crois que ça résume assez son esprit aussi de penser que tout est dans tout. Et ça me plaît aussi, je pense que tout est dans tout. Et aujourd'hui, on est à Pontoise. Et puis, dans une chambre un peu tranquille, à l'écart quand même, dois-je dire que c'est une chambre d'hôtel. Et puis, tout est dans tout, parce qu'il y a ça, il y a un endroit. Et les gens recherchent quelque chose du passé. Et pourtant, on est dans un autre temps, et puis on a l'impression que ça fait un tout. Cette idée, elle me plaît beaucoup, elle plaît aussi à beaucoup de philosophes. Et je crois que c'est une des choses qui marque l'esprit de son œuvre, donc de voir quand même la chose comme une totalité, même les antagonismes, justement, les antagonismes, une période entre les différentes religions, peut-être aussi entre christianisme et paganisme, parce que ça, c'est peut-être à prendre avec des pincettes, mais effectivement... Eckhart cite avec admiration les maîtres païens, et il les nomme des maîtres païens, autant dans l'œuvre latine que dans l'œuvre allemande. Donc on sent bien que pour lui, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas d'opposition entre christianisme et paganisme. Mais ça, suivant les gens, évidemment, c'est quand même assez audacieux. Il ne dit pas de cette forme, il ne dit pas cette phrase que je viens de dire. Oui, mais quand on étudie ça, ça transparaît, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est un peu... Je pense que si, surtout à l'époque, selon les... Il fallait quand même convertir le païen, c'était le travail de Dominicain. Eckhart, donc justement, il enseignait à la Sorbonne, mais ensuite, il a fondé de nombreux monastères, il a parlé à des moniales. Il s'agissait effectivement de convertir des gens qui étaient peut-être un peu hérétiques. C'était le travail des Dominicains dans le sillage de la grande croisade contre les cathares. Il faut quand même savoir que l'ordre dominicain a été créé, en fait, pour, j'ose dire, entre guillemets, combattre l'hérésie cathare, qui est au fond l'hérésie dominante du 13e siècle. Et quel... 12e même déjà, ouais. 1200, non 13e c'est ça, 13e. C'est la grande croisade contre les cathares, c'est en 1210, voilà, pour donner un peu des dates, oui. Voilà. Il est très probable que Eckhart a rencontré, c'est une de mes thèses, à Toulouse, lors d'un des chapitres des Dominicains, des cathares, parce que c'était une période où les cathares n'étaient pas persécutés. Et le travail des Dominicains n'était en fait pas de poursuivre les cathares, mais dialoguer avec eux, c'était le dialogue, et surtout dans l'esprit d'Eckhart. Eckhart parle très peu d'hérésie, et il n'a pas une notion comme ça négative d'exclusion par rapport à l'idée d'hérésie. Donc, est-ce qu'il a sympathisé avec des pensées hérétiques, avec des cathares ou d'autres hérétiques, les frères du libre-esprit, les frères et sœurs du libre-esprit? Oh, il y a toutes sortes d'hérésies, là, les béguines, les bégards, tout ce qu'il y avait dans cet ordre, c'est un sujet immense et fascinant. Moi, je pense que oui, parce que pour comprendre une pensée de l'autre, il faut une sympathie. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a influencé sa propre œuvre et qui en fait la nouveauté. Et quelque chose de merveilleux, et des ressemblances avec la pensée de Marguerite Porret, qui tout de même a été brûlée à Paris en 1310. Hein, je crois Béguine, elle était, j'oublie un peu les attributions, Marguerite Porret, brûlée à Paris. Et Eckhart est revenu à Paris un an après. Donc si ça se trouve, il a rencontré l'inquisiteur qui a prononcé cette condamnation. C'était dans l'ordre dominicain. Mais Eckhart n'était pas inquisiteur. Et je crois même justement il s'est détaché de cette vue. Ce qui fait que finalement, à un moment donné, l'Inquisition s'en est pris. Oui, ça s'est retourné contre lui. Oui. Jamais l'Inquisition a frappé aussi haut dans son propre ordre. Pour différentes raisons complexes. Les experts, la question de l'hérésie, vous voyez, moi je ne suis pas théologien, donc je vous dirais sincèrement que l'hérésie n'est pas une catégorie philosophique, parce qu'en philosophie, on a moins le souci du dogme, mais s'il y a un dogme, il y a des gens qui dévient du dogme, là c'est un problème. Alors je ne pourrais même pas vraiment vous dire avec certitude si Eckhart est hérétique ou non. Mais il y a des collègues, des amis dominicains ou autres de la Eckhart Society en Angleterre. Il y a différentes sociétés maître Eckhart aujourd'hui qui existent, donc ça montre quand même le retentissement. Et ce qui est intéressant, la première a été fondée en Angleterre. C'est une dame et un dominicain, ensemble, ils ont créé une Eckhart Society que j'ai fréquentée en ce moment.
on s'est perdu de vue. Et puis j'ai connu un peu tout le monde, j'ai connu des Dominicains en France, aussi en Autriche, à Vienne, j'étais au couvent des Dominicains. Et puis au fond, les Dominicains me disaient, oui, ben, nous, c'est l'ordre dominicain qui nous a amenés à Maître Eckhart. Puis je dis, moi, ben, ma foi, moi, c'est Maître Eckhart qui m'a amené à vous. Mais à part ça, je suis plutôt philosophe, donc je vois les choses en tant que philosophe et pas en tant que théologien. Mais ces gens-là, quand même, penchent aujourd'hui à dire que, en fait, cette condamnation a été injustifiée, et il est question d'une réhabilitation, sachant que l'Église prend son temps, ça sera sans doute en 2027. Mais certains qui, justement, aiment un peu l'hérésie, parce qu'il faut dire que quelque part, aujourd'hui, l'hérésie est presque un compliment, diront « Ah oui, mais ce serait peut-être bien dommage !» que Eckhart soit réhabilité, parce qu'il sera enfin oublié, il sera enterré. Donc peut-être c'est même justement ça qui fascine des gens. Parce que ce qui est significatif chez Eckhart, c'est que toutes sortes de gens se réfèrent à lui, à bonne ou à moins bonne escient, pas toujours, mais sont fascinés par lui, comme Cioran qui dit « À quoi bon croire en Dieu, puisque je puis lire et aimer Maître Eckhart sans cela ?» Donc il y a des croyants qui lisent Maître Eckhart et d'autres qui ne le sont pas, qui sont fascinés par sa langue. Voilà, donc c'est ça qui fait, ou les orientaux comme Daisetsu, Teitaro, Suzuki, j'aime bien dire les trois noms comme ça, ça fait un peu, j'aime bien cette musique orientale. Et alors, qu'est-ce qu'il a, quels sont quel est le contenu de sa philosophie, de ses enseignements, qu'est-ce qu'il a un petit peu particularisé par rapport, soit il maintient la tradition, donc on retrouve les mêmes choses que la tradition, mais est-ce qu'il a amené des choses... Il a amené des choses vraiment nouvelles. Par les nouveautés, donc voilà, oui. qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qu'est la tradition et qu'est-ce qu'il a amené ou qu'est-ce qu'il a rassemblé de cette tradition. C'est sans doute ça qu'il mettait, je pense, quand même en danger, disons. C'est peut-être justement le succès qu'il a eu. Oui. Il a un succès, c'est clairement dit dans la condamnation, il a eu un succès pas seulement auprès des savants, s'il avait écrit qu'en latin, il n'aurait sans doute pas eu de problème. Encore qu'à l'époque, c'était très courant, ça pouvait arriver très facilement. Au fond, tout le monde s'accusait parmi d'hérésie, même les papes étaient accusés d'hérésie au moindre. C'était un peu la tendance. Et à l'époque, c'était une accusation très grave. J'entends que c'était quelque chose de dangereux. On pouvait craindre pour ses œuvres, pour sa vie, pour ses biens. Enfin, bon. Mais Eckhart, donc, son enseignement, oui, son enseignement est basé sur la tradition. Et il ne met pas en cause la tradition. Oui, et aussi, quand on lui reproche... Ouais. d'être hérétique, il dit je ne suis pas hérétique, je peux me tromper parce que l'erreur est humaine et que c'est une question d'intellect, mais l'hérésie est une question de volonté. Je n'ai pas la volonté d'être hérétique. Et c'est vrai que si on compare Eckhart, par exemple, à Giordano Bruno, qui effectivement était un hérétique féroce, ferrailleur, relapse et tout, c'était un tempérament très différent. Donc effectivement, au fond, ça s'est arrivé plus tard, l'affaire de Bruno, mais qui occupe beaucoup les intellectuels encore aujourd'hui. Mmh. Ou d'autres, Eckhart n'avait pas cette volonté. Mais par contre, on peut quand même dire qu'il avait l'intention de secouer un peu la poussière de la tradition. C'était quand même la période où le monde universitaire devenait poussiéreux. C'est ce qu'on appelle la scolastique. Et à un moment donné, c'est devenu tellement poussiéreux que ça s'est dissous. Il y a d'abord une période de fascination, les gens venaient, et du temps d'Eckhart et surtout de Thomas d'Aquin, notamment à l'université de Paris, c'était très très vivant. Et les gens venaient de loin pour avoir de la connaissance. Puis après... C'est devenu poussiéreux, donc il faut renouveler ou alors s'adresser aux vulgaires, c'est ce que Eckhart a fait. Oui, donc il a fait des études considérables, je crois qu'il a parcouru à peu près tout le savoir, qu'on puisse avoir les arts mineurs et majeurs, comme il les divisait à l'époque, Arthès, il a étudié tout ça. Et puis il a commencé à prêcher aussi en allemand, puis c'était son travail de dominicain. Et c'est comme ça qu'au fond, en transposant ça, en s'inspirant peut-être en partie quand même de... notamment de ce que disaient des femmes. Je crois qu'il a appris beaucoup auprès des femmes, et c'est un hommage aux femmes que de lire Maître Eckhart. Il a transcrit leurs pensées, un peu comme déjà Hildegard von Bingen était, au fond, il y avait des moines qui transcrivaient sa pensée, qui l'écrivaient. Ce n'était pas elle-même qui écrivait le livre, mais son moine, Vollmar, pour ce qui est de Hildegard. Et certaines des Beguines, toutes n'ont pas été considérées comme hérétiques. Mechthild de Magdebourg, et Marguerite Porret, bien sûr, qui, elle, a écrit un livre. Effectivement, le miroir des âmes simples et anéanties, c'est un livre magnifique. Et je pense que ce titre parle et on trouve quelque chose de l'idée d'une âme simple et anéantie chez Eckhart. Alors, est-ce que c'est qu'il voulait qu'il la sympathisait avec l'hérésie ou au contraire qu'il a pris ses propos pour montrer, mais voyez, en fait, c'est tout à fait intégrable dans la pensée chrétienne. Moi, je pense que c'est plutôt ça, mais il y a une ambivalence. Donc,
Ce qui fait l'originalité des cartes, les thèmes, disons, les plus forts, c'est certainement, bah, d'une part, les formulations paradoxales. Et elles sont partiellement prenantes et fascinantes aujourd'hui. Rien n'est aussi semblable que Dieu et toute créature, mais rien n'est à la fois aussi dissemblable que Dieu et la créature. Et rien n'est à la fois aussi semblable et dissemblable que Dieu et la créature. Donc ce qui l'occupe beaucoup, c'est la divinité de l'homme, de se dire que l'homme est divin. L'homme, la femme, j'ai l'homme au sens général, donc anthropologique. L'homme est divin. Et il l'est effectivement, il peut être autre chose, mais le fond de l'homme est divin. Et ça, il le développe énormément. Et en même temps, c'est peut-être là le danger de l'hérésie, les gens concluent que l'homme est Dieu, mais ça c'est pas vrai, il n'y a pas dit ça. Il y a quelque chose de Dieu en l'homme, mais l'homme n'a pas lieu de se prendre pour Dieu, parce que ça c'est la démesure, c'est la folie des empereurs de l'Antiquité. Donc là, évidemment, on peut beaucoup discuter, c'est un thème controversé, mais intéressant, parce qu'effectivement, sinon on ne serait pas religieux, s'il n'y avait pas quelque chose de Dieu en nous, si on n'avait pas quelque part un souvenir de quelque chose de divin en nous, on ne serait pas religieux. Donc forcément qu'il y a quelque chose, mais ça nous échappe. Et si on est sincère, il faut rester humble et modeste. Oh, très humble, très modeste, là, parce qu'on n'est vraiment pas sûr. Donc finalement, on ne peut pas affirmer grand-chose. Donc finalement, on va nier les choses. C'est la théologie négative. On va dire non, alors Dieu est ni ceci, ni cela. À la fin, même Eckhart, à un moment donné, peut-être c'est même inadéquat de dire que Dieu est bon. Dire que Dieu est bon, c'est parler aussi mal de lui que de le rouler dans une couverture et de le pousser sous un banc. Ils le disent ça dans un sermon. Mais vous imaginez l'effet que ça faisait à l'époque. Surtout que les gens étaient beaucoup plus préoccupés par ces questions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dérange moins. Mais c'est clair que là, il y a des formulations, effectivement, qui sont quand même assez surprenantes. Elles vous réveillent. Et c'est ça qui a fait son succès. Est-ce qu'il voulait dire par là que quand on dit Dieu n'est pas bon, enfin il est Oui, il est au-delà au-delà. de. Voilà, Oui. donc il y a une certaine neutralité, au-delà du bien du mal, ou qu'est-ce que. Oui, là ça fait déjà nietzschéen. Il y a Ouais. peut-être un petit côté nietzschéen, encore que pas vraiment. On a beaucoup parlé de Nietzsche cette année, donc vous avez bien raison de faire cette allusion. En fait, c'est le bicentenaire de Wagner, mais comme Nietzsche est le principal contradicteur de Wagner, on a aussi beaucoup parlé de Nietzsche cette année. Même j'ai vu récemment, Google a fait un doodle sur Nietzsche, qui est très humoristique. Hein. Il faut prendre ça comme humour au troisième degré. Les deux penseurs ont en commun d'être imprégnés évidemment aussi d'une culture germanique, mais ils sont très différents. Au-delà du bien et du mal, dans une certaine mesure, oui, dans une certaine mesure. En tout cas, Eckhart dit, c'est ce qu'on appelle la théologie négative. Encore une fois, à la fois comme il l'a formulé, c'est original, puis en même temps, c'est en fait tout le corpus de ce dont les gens débattaient à l'époque. Donc Eckhart est à la fois très traditionnel et, je dirais pas très original, mais il y a des passages extrêmement originaux qui peuvent donner lieu à toutes sortes d'interprétations. L'herméneutique, comme on aime dire, l'art d'interpréter. Hein. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter. Donc l'herméneutique eckhartienne est un sujet assez considérable. On voit ce sujet qui est. C'est pour ça qu'énormément de choses ont été publiées sur lui, d'autant plus justement que le dossier n'est pas clos, c'est un dossier ouvert. Et donc un dossier ouvert, ben, au fond, il fait partie de la vie, on est en route. Moi, Eckhart, il m'accompagne depuis cette époque. Des fois, il est là, des fois, il est loin. Des fois, à titre de boutade, j'ai dit que j'étais un Eckhartien défroqué. Mais c'est une boutade, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a des gens que ça a amusé, quoi. Au fond, je ne le suis pas vraiment parce que je n'ai jamais porté de robe. Mais quelque part, si je dis défroqué, je pourrais dire détaché. Et dans ce sens, c'est vrai, parce que j'étais attaché à Eckhart et je m'en suis détaché. Mais en fait, en m'en détachant, j'en ai quand même gardé l'essentiel, donc il y a quand même quelque chose qui est resté. Et je pense que si on suit la pensée de Eckhart jusqu'au bout, c'est clair qu'il faut renoncer à mettre Eckhart pour mettre Eckhart. Ou plus loin, renoncer à Dieu pour Dieu, il le dit. Ça, il le dit, renoncer à Dieu C'est pour son Dieu. thème, c'est ça, c'est la voie du Mais détachement, c'est le thème oui. majeur. C'est ça. Alors tant qu'on reste attaché à Dieu, on n'a pas Dieu. Et quelque part, c'est vrai si on y réfléchit, mais c'est très profond et on n'arrive pas au bout de cette pensée parce qu'elle touche à quelque chose d'indicible.
les pensées qui touchent philosophiques ou théologiques, qui touchent à Dieu dans toutes les traditions, et je crois vraiment qu'on peut le dire dans les autres traditions religieuses aussi, elles touchent quand même en fin de compte à quelque chose d'indicible. Et on a un mystère et on peut rentrer à lui, mais on ne peut pas l'expliciter entièrement, parce que c'est le mystère de la vie. Et donc c'est ça qui fascine les gens, parce que ça met en valeur le lien très profond qu'il y a entre la philosophie et la vie, entre la théologie et la vie, que ce n'est pas du tout quelque chose de poussiéreux, mais que c'est lié au problème de la conscience, de l'individu, de notre conscience. La conscience de soi est un thème très beau chez Maître Eckhart qu'on peut développer, qui est devenu beaucoup plus important par la suite avec le romantisme. Mais chez Eckhart, il y a déjà cette problématique de la conscience de soi, ça c'est aussi une problématique. L'image, donc je l'ai cité, la notion d'image est très belle chez Eckhart, parce qu'elle est notamment liée au terme Bilder en allemand qui fait Bildung. Bildung qui veut dire l'éducation. Et ça c'est fondamental même aujourd'hui, on se pose toutes sortes de questions sur comment éduquer nos enfants, comment éduquer les gens pour les rendre aptes à la société. Et Eckhart dit au fond littéralement, si je traduis son expression, qu'il faut à la fois éduquer les gens et les déséduquer. Alors, ça peut sembler choquant si je dirais, moi-même j'ai beaucoup enseigné dans différents endroits, notamment dans une école d'art pendant 5 ans, et puis là, peut-être oui, des fois il faut, peut-être que vous êtes aussi enseignant ou des gens qui nous écoutent, il faut déséduquer les gens des fois pour les rééduquer. C'est peut-être les déséduquer de ce qu'ils ont appris ou de ce que les institutions leur ont appris. Au fond, des préjugés, des notions, voilà. Pour amener une certaine vacuité, peut-être. Est-ce que c'est chez lui, il est question de vacuité. Oui. Je pense que souvent, on a une compréhension plus relative de ce que dit Eckhart. Mais chez lui, c'est bien une question de vacuité. Oui. C'est un peu paradoxal parce qu'en ce sens-là, j'ai une fois expliqué à un bouddhiste que j'étais docteur S-vide, il a adoré ça. Ben oui, j'ai écrit une thèse de doctorat sur le vide. Oui, la désimagination, donc je suis docteur S-vide. J'aime bien les boutades parce que je trouve qu'il faut un peu avoir une légèreté avec les choses. Et ça aide au détachement. Ça aide au détachement. Donc effectivement, le détachement m'a beaucoup inspiré. Et je crois que c'est une chose qui aide aussi aujourd'hui. Si on bétonne trop les choses auxquelles on tient, ben justement la tradition. Un marché d'histoire comme Pontoise, c'est une mise en scène de la tradition. Et en même temps, c'est un détachement, parce qu'on voit bien que c'est au deuxième, au troisième degré. Bon, il y a des gens qui s'y attachent, d'autres pas. Mais c'est merveilleux, moi j'ai énormément de plaisir. En même temps, je garde ça avec un certain détachement, et c'est là où on l'apprécie à mon avis le plus. Mais tout ça, ça fait le merveilleux de notre époque. Et là, effectivement, à travers mes études d'Eckhart, je trouve que quelque part, j'arrive aussi à être très moderne et voir le paradoxe de la modernité et de l'attachement à la nostalgie. La nostalgie, c'est un thème merveilleux. Mm-hmm. Nostalgie, avoir la douleur, c'est intense, c'est une joie et une douleur vers le retour de nos origines. Le problème, et un des grands problèmes du vivre ensemble, parce que c'est une des choses qui m'occupe aussi beaucoup, j'ai même créé un mot à ce sujet, j'appelle ça la symbiosophie. La symbiosophie, ça veut dire littéralement la sagesse du vivre ensemble. Mmh. Et la difficulté dans un monde global pour le vivre ensemble, la difficulté mais aussi la beauté, c'est pour ça qu'il faut être très respectueux, c'est la nostalgie des gens. Et c'est le fait qu'en fait chacun a une nostalgie un peu différente. Et on est tous attachés à ça, et puis peut-être quelque part aussi on n'aimerait pas vraiment y retourner. Mais par contre, on aime mettre ça en scène. Je ne suis pas sûr qu'une bonne partie des gens qui vont à une foire médiévale comme ici aimeraient vraiment retourner au Moyen-Âge, surtout qu'ils ne se rendraient peut-être pas vraiment compte de la misère que ça peut être suivant les périodes, des batailles, des poursuites, etc. Mais avoir peut-être ce qu'il y a de meilleur du Moyen-Âge, voilà. Qui est glorifié, qui est sublimé, ça c'est quelque chose de très beau. Et ça c'est quelque chose que je respecte. C'est pour ça que je dis que ça fait... La nostalgie, c'est quelque chose de très beau, et c'est quand même paradoxal, parce qu'en fin de compte, si on va au bout de cette idée, comme cette manifestation, on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment nostalgique, c'est autre chose. Et on ne voudrait pas vraiment retourner dans le passé, parce qu'on le dit maintenant, d'ailleurs, on arrive ici, il y a des parkings, il n'y en a l'air pas assez, on voit les gens qui sortent de voitures, qui enfilent toutes sortes de costumes, et un peu plus tard, on voit des princesses et des chevaliers. C'est des vieux schémas qui occupent l'âme européenne. Beaucoup, oui, est-ce que c'est la nostalgie du passé ou est-ce que c'est la nostalgie d'un certain esprit avec certaines valeurs ou certaines et traditions donc, le vœu, exactement, vous avez raison. Donc le vœu de renouer avec ça et de continuer, c'est quelque chose qui est très beau, c'est tout un processus qui se fait.
On vit dans une période de chamboulement, mais sans précédent. Vraiment, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour toutes les cultures, pas seulement pour l'européenne, mais c'est clair que l'Europe est aussi en train de se désagréger. Souvent, les gens se plaignent, on est américanisé. Bon, l'Amérique, c'est aussi issu de l'Europe avant de devenir autre chose. Donc, ils ont vraiment quelque chose à apporter. Et puis, ça fait partie du défi de dissoudre des traditions et en même temps de reprendre le fil des traditions. Ben, ça fait partie de notre monde. Pour pas en parler pendant des heures, disons, je dirais simplement qu'il faut avoir un pied dans sa tradition et puis un pied dans le phénomène global. Si on s'enferme complètement là-dedans, évidemment, ça peut poser problème. Mais par contre, si on n'a pas ça comme un moment comme ici, et on voit quand même bien que c'est dans un cadre confiné, c'est quelque chose d'extrêmement beau et j'ai beaucoup de plaisir à venir ici. C'est deux, trois fois que je suis déjà venu, les trous verts, ça fait longtemps que je les connais. Ça, je pourrais peut-être aussi parler de tout ça, comment au fond... Au fond, c'est comme médiéviste universitaire que je me suis intéressé aussi à ce qui se faisait en dehors de l'universitaire. Et j'aimerais quand même dire, parmi les derniers trous verts, sont parmi, en tout cas pour moi, un peu un des premiers groupes qui a fait cette mouvance néo-médiévale. Ouais. Les trous verts et ce à quoi c'est associé. Ouais. Déjà, j'arrive pas à connaître tout leur historique, mais je sais que déjà dans les années 90... Ouais, c'est ça, c'était un peu les précurseurs. On a fait une émission avec eux, donc effectivement, ce sont été les... Les précurseurs de la néo-médiévale. Les gens qui les ont inspirés, il y a toutes sortes de gens qui les ont inspirés. Donc il faut dire que ce n'est pas seulement eux, mais c'était quelque chose qui se développait. Et j'ai eu la chance de rencontrer des trous verts où ils ne portaient même pas ce nom au début, avant même qu'ils portaient ce nom, et donc de voir ce phénomène. L'inclusion. Oui, parce que j'avais une curiosité de ce qui se fait dans le Moyen-Âge en dehors de l'universitaire, c'est pour ça. Et je suis vraiment très heureux d'avoir eu cette curiosité et voir ce développement qui est impressionnant aujourd'hui, disons, une sorte de culture ou de subculture aux nombreuses ramifications. Et elle n'est pas monolithique. Hein. Elle n'est pas, donc au fond, elle est aussi déjà interculturelle. Aujourd'hui, on parle de dialogue interreligieux entre les différentes religions, le judaïsme, l'islam, les chrétiens, les religions en dehors, les animistes. Et c'est clair que la table ronde des religions, en quelque sorte, c'est une image, je trouve ça très beau, parce qu'effectivement, c'est nécessaire pour construire un nouveau siècle, ça c'est certain. Mais toutes ces choses, aujourd'hui, c'est à la fois un défi, c'est quelque chose de très beau. Alors, les derniers trous verts, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe de musique. Oui, c'est ça. Alors, puisqu'on parle de musique, on va peut-être faire une petite pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques volontiers. Minutes. Volontiers, oui, avec plaisir. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Oui. Donc, Renouveau Médiéval, on se retrouve après une petite pause musicale, donc en marge du Salon Fou d'Histoire de Pontoise, oui. Comme on disait, donc en compagnie de Wolfgang Wackernagel. Voilà, pardon, j'essaye de ne pas écorcher votre nom. Et donc, on a évoqué déjà des ouvrages que vous avez traduits de Maître Eckhart, traduits, annotés et commentés. Donc, vous avez traduit Conseil spirituel. Mm-hmm. Oui, je peux peut-être dire, comme il est là. Ces traductions, ça semble un peu... C'est un travail énorme de sortir un livre comme celui-ci. Ouais. Avant ce livre, j'avais fait ce texte-là, Prière de Maître Eckhart et Poésie mystique. Ouais. Et celui-là, c'était des inédits. C'était aux éditions Ad Solem. Et ça a été repris dans Aphorismes et légendes par la suite. Mais donc, ce que je disais, aussi, c'est qu'à l'époque, je tenais à faire des premières traductions, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc, vous avez traduit de des textes qui n'ont jamais été lus, du Mittelhochdeutsch. Certaines choses n'existaient qu'en Mittelhochdeutsch. Et dans ce livre-là, il y a deux toutes petites erreurs. Très peu de gens le voient, mais il y a de petites erreurs. Les livres sont comme les hommes, hein, ils ne sont pas parfaits. Mm. Et je crois qu'aucun de mes livres n'est parfait, quand bien même j'ai passé beaucoup de temps à les éplucher. Mm. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une première traduction. Et ici, je me suis aperçu que j'étais le septième traducteur. Et j'ai fait ce livre, m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai consulté toutes les traductions. Donc on m'a vraiment demandé, parce que c'est le premier livre, Maître Eckhart, il a différents titres. Ici, c'est donc Conseil spirituel. Il y a différents... titre autre qu'on pourrait donner à cet ouvrage. Et alors qu'est-ce qu'il donne? Est-ce qu'il donne des conseils dans cet ouvrage? Qu'est-ce qu'il donne comme conseil, par exemple? Oui, c'est en fait un condensé des conseils qu'il donnait, d'Assint, d'Irreden. Ceci sont les discours du discernement qu'il donnait du temps où il était prieur à Erfurt, donc encore assez jeune, dans le couvent des Dominicains. Mmh. Et ça date des années genre 1200, ça fait loin, hein.
1290 environ. Et il y a un certain nombre de, je l'ai mis même sous forme d'abécédaire, donc il y a un certain nombre de conseils spirituels liés à différentes questions que les gens posent. Je n'ai pas toujours maintenant, ça fait un moment que je l'ai traduit, je ne me rappelle plus vraiment toujours exactement de ce qui... Mais le premier livre de Maître Eckhart, ben voilà, c'est un grand préjudice pour l'homme de se croire loin de Dieu, que l'homme chemine loin ou près. Dieu n'est jamais loin, il se tient toujours à proximité, il ne peut rester à l'intérieur, il ne va jamais plus loin que sur le pas de la porte. C'est très beau. Dieu n'est jamais loin, il est... mais il peut être sur le pas de la porte, donc il peut être absent. Donc, toutes ces questions, ça occupait des gens qui se vouaient à une vie religieuse ou spirituelle, ça il faut quand même le savoir. Et aujourd'hui, les gens le comprennent moins. Mais il y a d'autres conseils qui s'adressent un peu à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait une sorte d'abécédaire à la fin, qui traite du détachement, de différents thèmes qui touchent à la vie. Peut-être, je pourrais l'approfondir, mais peut-être pas maintenant, parce que ça va prendre un peu beaucoup de temps. Mais donc ça, c'est le premier livre. Il a été traduit 7 fois. Et c'est là où j'ai réalisé qu'aucune traduction n'est parfaite, la mienne non plus. Et c'est le problème du traducteur que je me suis posé en voyant au fond les différentes versions. Et on peut faire des traductions qui sont mot à mot, qui sont à la lettre, qui suivent la lettre, d'autres qui suivent plus l'esprit. Et je pense que ma traduction, est, je la qualifierais d'herméneutique, c'est-à-dire que c'est une traduction qui suit l'interprétation du texte. Ça fait pas mal de temps déjà que j'ai sorti celui-là, enfin, quand même dans une dizaine d'années, il me semble. Et ça a très bien marché, ils en ont demandé d'autres. Conseils spirituels, oui, par rapport à la vie spirituelle. C'est quelque chose, il faut vraiment entrer dedans pour méditer ces choses, et en même temps, je dirais que c'est la meilleure introduction de Maître Eckhart. Avant ça, donc, il y avait la thèse de doctorat, dont j'ai déjà un peu parlé, éthique de l'image et métaphysique de l'abstraction, cette notion d'image, le paradoxe de l'image, l'image et l'au-delà de l'image. Et Eckhart n'est pas iconoclaste, je crois que si les iconoclastes, les différentes mouvances iconoclastes qu'il y a eu dans l'histoire depuis Byzance jusqu'à la Réforme, avaient lu Maître Eckhart, je ne crois pas qu'ils casseraient des images, parce qu'ils auraient compris qu'il y a un au-delà de l'image, on n'est pas forcément obligé de casser une image pour voir son au-delà. Il y a certes une imperfection dans l'image, et en même temps l'image est un support, les images médiévales, la symbolique, tout ça. Et ça, on le voit beaucoup, le plaisir que les gens ont dans une culture imagée. Ben, pour revenir à Pontoise, c'est très imagé, c'est très visuel. Oui, oui, oui. Et il y a des artistes et des artisans. Il y a des artistes et des artisans. Les artisans qui font leur travail, c'est porté par le commerce, parce que notre monde est porté par le commerce, et des artistes, donc des groupes qui se présentent ici et qui sont choisis par des gens qui organisent des fêtes médiévales ou autres. Voilà. Donc, c'est ça qui donne ce cachet particulier à cet endroit, ce mélange d'artistes et d'artisans, et du visuel. Et je pense que par rapport à ça, justement, on peut voir que le côté visuel, imagé est très important. Moi, je ne suis pas du tout iconoclaste. Et en même temps, il faut être détaché. Donc, je te dirais que le conseil spirituel le plus fondamental de Maître Eckhart, c'est le détachement. Détachement. Donc, comment, de soi-même. Comment se détacher des images. Détachement intérieur. C'est un thème bouddhiste aussi. Oui, c'est un thème bouddhiste. Oui, c'est ça. Le détachement aux images, c'est l'entwillung, et je pense que là, si vous voulez une phrase vraiment concrète, c'est une phrase inspirée de Maître Eckhart, mais qu'un auteur beaucoup plus tardif a formulé le mieux, et qui est très célèbre aussi, c'est Angelus Silesius. Et il donne cette phrase que j'aime beaucoup citer. J'aime bien la dire en allemand, je vais d'abord la dire en allemand, comme ça vous avez un petit bout de cette langue. Entbilde dich, mein Kind, so wirst du Gott gleich, und bist in stiller Ruhe. Je traduis « Désimagine-toi, mon enfant, et tu seras pareil à Dieu, et dans une sérénité tranquille, tu seras toi-même ton propre royaume des cieux. Voilà. » Alors, ça, on se détache pour s'ouvrir, c'est l'ouverture. Mais toute la difficulté, alors, quand on entend le « Désimagine-toi », la difficulté, c'est pas... qu'il n'y ait pas de volonté qui interfère, parce qu'on ne peut pas dire « je vais me désimaginer, Donc c'est déjà tellement dur à dire. Oui, oui. Et puis je crois que le détachement, c'est à la fois très difficile et d'une simplicité enfantine. Si on dit « je veux me détacher », déjà, c'est un paradoxe. Oui. C'est pourquoi ils en parlent tellement, le détachement est une préoccupation
première des moines, évidemment, mais pas seulement des moines, ils n'y arrivent pas, alors ils sont pris au piège dans toutes sortes de choses, comment ça peut arriver. Mais c'est toute la difficulté. Il n'y a pas cette expression, le détachement du détachement aussi, savoir aussi se détacher, oui, savoir se détacher, c'est pas exactement qui l'a dit. Oui, mais ça c'est sous sorte de forme, c'est présent, renoncer. Je me rappelle d'un auteur tibétain, je crois, Shogyam Trungpa, quand je lisais tout ce qu'il faisait, lui parlait du matérialisme spirituel. Mm. Et c'est là où, au fond, on est attaché à sa voie spirituelle. Et finalement, c'est quelque chose, ça peut devenir quelque chose de complètement matérialiste. Et là, évidemment, on n'est pas du tout sur la bonne voie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Là, je pense vraiment que c'est intéressant de voir des traditions monastiques et de voir qu'il y en a dans des traditions très différentes, dans le bouddhisme, les moines tibétains, qui sont quand même très présents en France et en Suisse à cause de l'exil. Donc le bouddhisme est très présent dans l'esprit des gens, et je crois que c'est une bonne chose, sans forcément devenir bouddhiste tibétain. Je me suis intéressé à ça, j'ai rencontré le Karmapa du Tibet à l'époque, le 16e qui est décédé, apparemment il y en a 17e qui est venu, encore que, on ne sait pas s'ils sont deux, donc visiblement là, peut-être la tradition se perd, les tulku, comme ça. Donc, je me suis intéressé à ce bouddhisme. Et les questions, je vois les questions spirituelles que soulève un Shogyam Trungpa sont assez proches de celles que soulève Maître Eckhart dans les conseils spirituels. Il y a des recoupements. Et ces recoupements permettent peut-être justement de voir que la voie est sans voie et que c'est un peu ce paradoxe d'une démarche spirituelle, justement. Ça, c'est très difficile, effectivement. Et je peux dire des choses, mais je ne suis pas non plus un maître, j'entends. J'ai étudié ces choses, elles m'ont fasciné. C'est un peu une référence dans ma vie, mais je m'intéresse aussi à d'autres choses, bien sûr, je suis humain. Et je vois différents plans, mais il y a cette idée d'une perspective absolue, d'un recul. Quand on étudie quelqu'un qui est un penseur d'il y a 700 ans, on prend un recul au monde actuel. Je crois qu'une des choses qui aide à vivre dans ce monde... c'est le recul. L'autre qui peut aider, je crois, dans le monde actuel, c'est les émotions, c'est de travailler sur ces émotions. Et ça, Eckhart dit aussi des choses. C'est des choses que j'ai apprises, donc au fond, j'en parle plus facilement aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce que je comprends mieux ce qu'on peut utiliser de Eckhart qui m'a servi dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il dit sur les émotions, par exemple? Une des choses, c'est effectivement le travail sur les émotions. Et c'est quand même assez simple, Eckhart parle d'alchimie, d'ailleurs, de transformer. Il y a une alchimie intérieure, il utilise des images empruntées à l'alchimie, et il y a une alchimie des émotions. Là, les choses que je dis là, c'est des choses interprétées par rapport à Eckhart, mais qui y sont. Et ce n'est pas le seul, donc toujours, quand on parle de choses qui touchent à la tradition, les gens sont à la fois peut-être originaux dans la formulation, et pas du tout original. Donc, c'est un constat, et je le vois aussi autour de moi, les gens optimistes vivent mieux. Si on veut le dire ça en termes d'aujourd'hui. Alors Eckhart, son enseignement, c'est aussi ça, les gens optimistes vivent mieux. Et les gens optimistes vivent mieux parce qu'ils transforment la tristesse en joie. C'est une alchimie, transformer la tristesse en joie. Alors aujourd'hui, on étudie beaucoup plus je trouve même génial, notre monde actuel, informatique et tout, nos petits téléphones portables, je vois là quelqu'un qui est derrière nous qui parcourt son iPhone. Non, c'est très bien d'avoir ça, cette présence Maître Eckhart. Bon, il ne faut pas du tout le ranger, mais bon, c'est le caméraman. Alors, il ne faut pas du tout le ranger, parce que ça fait partie de notre monde. Et puis, si, moi j'aime bien le dire. Il faut quand même un peu mentionner l'arrière-plan d'une réalité qui est un interview. Je ouais. Excusez, je suis peut-être le seul à le faire. Mais parce que ça rentre dans mon propos, sur Eckhart. Dans ces petits téléphones, il y a des émoticônes, et celui qui est venu d'abord, ben, c'est le smiley, le sourire. Bon, des fois, c'est l'inverse. Puis après, on a fait avec toutes sortes de nuances. Il y a un diagramme des émotions. Aujourd'hui, beaucoup de recherches se sont faites universitaires sur les émotions. Un diagramme des différentes émotions. Et les gens disent quand même clairement, l'émotion la plus élevée, celle au fond qui a le meilleur effet sur notre santé, c'est la joie. Voilà, Eckhart a déjà découvert ça, il n'avait pas besoin Il n'est pas le seul. Et donc, il y a par exemple dans les aphorismes, aphorismes et légendes, j'ai publié les 7 degrés de l'homme intérieur. Oui. Et au fond, c'est des degrés où il y a une sorte de détachement, il y a aussi une considération sur l'essence anthropologique profonde de ce que nous sommes, qui peut être une cause de joie, de se réaliser qu'au fond, même si tout n'a pas marché dans ma vie, dans notre vie, ce qui arrive à tout le monde, il y a quand même quelque chose de merveilleux dans l'ici maintenant, mais dans l'ici maintenant avec la joie, donc la perception de la joie, du fait d'être vivant.
parce que le simple fait d'être vivant est la preuve qu'au fond notre vie a marché, même si on a tout plein de problèmes. C'est un peu étonnant à dire, mais ça c'est des choses qu'on découvre avec Eckhart ou avec d'autres. Que la joie est en nous et au fond, je dirais les 7 degrés de l'homme intérieur, c'est un peu ce qui ressemble plus à une technique de méditation au sens oriental, zen, bouddhiste ou hindouiste, chez Eckhart, d'un travail méditatif où on se renoue avec ce qui est en nous de plus profond et qui est la joie, et qui, alors ça je le dis du bout des lèvres, et Dieu. Et alors est-ce que ça veut dire, vous parlez des 7 degrés de l'homme intérieur, qu'il y a une échelle de perfection ou une échelle de méditation, qu'on monte ou qu'on descend, puisqu'on entre, on plonge en soi. Et c'est là où je pense que c'est proche des techniques de méditation orientale, que ce soit dans le bouddhisme, ou dans l'hindouisme, dans le yoga, toutes ces choses qui ont beaucoup imprégné notre culture et qui ne sont pas si différentes, qui peut-être simplement nous ont amené un autre regard sur ce que nous savions déjà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'il y a la notion d'instant, je crois, qui est assez présente chez Maître Eckhart, qui est un petit peu contradictoire avec l'histoire d'échelle de perfection. Donc il y a quelque chose à gravir et finalement il y a quand même une échelle sans échelle. C'est pas un truc chronologique et en même temps c'est chronologique. C'est chronologique en ce sens qu'on peut peut-être quand même progressivement glisser dans l'instant présent. Et des fois ça ne se fait pas d'un coup parce qu'on est là. Tout à l'heure on était là, on n'arrivait pas à faire l'émission, on était dans la foire. On a été effrayés par des monstres, je veux quand même le dire, parce que le Moyen-Âge, c'est aussi des monstres, c'est pas que des belles choses, c'est l'ambivalence, le bien, le mal, etc. Et puis on n'arrivait pas à faire cette émission, et je crois que c'est parce qu'on n'était pas dans l'instant présent, et je crois que c'est ce qui arrive constamment dans la vie, c'est qu'on est shooté, on est vraiment comme des balles de football, on est balancé à gauche, à droite, puis il se passe quelque chose, et puis on sort pas complètement de la route, mais quelque part on est décalé. En tout cas, je suis très sensible et très facilement déphasé par rapport aux choses. Et c'est là, je crois, que pour se recentrer, on arrive progressivement à l'instant présent. Et une fois qu'on est dans le présent et qu'il n'y a que ça, alors là, tout fonctionne. Et je crois que là, il y a à la fois une étape pour arriver à ça. Il faut toujours y revenir, il faut toujours recommencer. Tant qu'il y a de la vie, il faudra recommencer. Parce que l'instant présent, il sera toujours déjà un peu plus loin. Donc il faudra toujours rattraper, être de nouveau dedans. Et je crois que c'est ça. Et trouver dans cet instant présent la joie, ça c'est quand même pas toujours évident, parce qu'on a aussi d'autres émotions. Et il ne faut pas être hypocrite non plus, il ne faut pas toujours dire oui, ça va bien, tout est super, etc. Mais quelque part, il y a quand même, et ça je s'en suis vraiment convaincu, il y a un travail d'alchimie qu'on peut faire sur ces émotions. Et je ne suis pas le seul à en être convaincu, beaucoup de gens le disent. Des fois on le ridiculise, mais moi je suis convaincu que c'est quand même vrai. Faire un travail sur ses émotions et que de ce fait-là on vit mieux et que l'émotion qui au fond est le plus support de vie c'est la joie parce que la vie est la joie, l'être est la joie et Dieu est la joie et ça c'est très présent dans chez Maître Eckhart. Est-ce que c'est la joie, je sais pas si on peut dire d'atteindre Dieu ou la joie divine ou est-ce que c'est la joie c'est une joie indicible. Pas artificielle mais la joie extérieure. C'est différentes joies. Ouais. Il ne faut pas forcément négliger les petites joies, il ne faut pas négliger les petites choses. Il ne faut pas non plus, ce qui est important peut-être surtout pour Eckhart, puisque c'est des gens qui sont issus d'une tradition monastique, il ne faut pas négliger les œuvres aussi. Un des textes les plus connus sur Eckhart, c'est le sermon 86 sur Marthe et Marie, voilà un enseignement qui a beaucoup fasciné, qui est repris par beaucoup d'auteurs. Qui est aussi présent dans ma thèse, j'en ai parlé, j'ai consacré tout un chapitre, parce que c'est la question du détachement qui est utilisé à travers cet épisode où Marthe et Marie sont au pied du Christ, et en fait, Marthe s'en va faire les travaux du ménage, alors que Marie est assise, contemplative, devant le Christ qui enseigne. Donc elle a le moment, elle a choisi la meilleure part, c'est ce qui est dit dans la Bible. Elle a choisi la meilleure part. Et Eckhart inverse cela, par son interprétation, il montre qu'en fait, elle a effectivement choisi, Marie a choisi la meilleure part, puisqu'elle est dans la contemplation de l'absolu. Mais Marthe est plus évoluée que Marie. Et donc Marie en viendra à devenir une Marthe. Mais pour devenir Marthe, il faut d'abord avoir la contemplation. Donc il faut d'abord avoir la joie, ou avoir le fond, avoir l'absolu, avoir contacté cela, et ensuite être dans l'action, perdu dans les différentes tâches, humble, modeste, faire la vaisselle, hein, c'est ça, Marthe, et avoir cette valeur spirituelle transcendante.
Et je crois que ça, on peut traduire ça soit de manière religieuse ou spirituelle, dire constamment se recentrer, mais se recentrer pour être actif, pour faire des choses, pour la société, pour les autres, pour soi, pour l'art, etc. Donc, vie active, vie contemplative, c'est un problème qui touche aux moines, mais qui touche à tout le monde. Et je crois que l'art de vivre, c'est justement d'avoir la contemplation dans l'action, d'avoir les deux, d'avoir une profondeur dans le moment où on agit. Et à ce moment-là, ça donne des couleurs à la vie, ça c'est sûr. Est-ce que c'est incarner Oui, ce qu'on qu'on est est, devient voilà, ce que tu es. voilà, on Tous ces incarne, thèmes, hein, il ne suffit pas d'être oui. dans les Ah terrestres. oui, il faut incarner. Il faut incarner. Mais ça, tous les maîtres le disent. Même déjà Platon avec le mythe de la caverne. Il faut revenir, on va dans la caverne, on sort, on réalise au fond que le monde est illusoire, et on revient aussi délivrer les autres. C'est présent, on pourrait faire cette relecture chez Eckhart ou chez d'autres. Donc en philosophie, dans une approche philosophique, c'est tout à fait présent aussi. C'est clair qu'il faut toujours intégrer l'un et l'autre. La contemplation, la vie contemplative est très présente chez Platon, donc avant même le christianisme. Mais évidemment, les auteurs chrétiens, les pères chrétiens, mais par la suite aussi, je me rappelle d'un certain Festugière, un des meilleurs penseurs français, contemplation et vie contemplative. C'est un très beau titre, c'est très Eckhartien. Voilà, moi c'est les textes que j'ai lus à l'époque. J'étais alors chez Vrin, je crois, l'édition Vrin. Donc, Est-ce que c'est ce thème, je crois, qu'on retrouve dans Narcisse et Goldmoon, oui, la c'est vie juste, je l'ai lu il y a contemplative longtemps aussi. Ma mémoire défaille, des fois j'ai et l'impression de voir la Terre vide. Hermanès, je sais Mais plus, c'est Hermann Hesse, Hermanès, oui. Il y a Siddhartha. Et Narcisse, exactement, c'est juste. Maintenant, ça me revient. Mais vous voyez, vous avez une érudition. C'est beau. Je l'avais lu il y a longtemps. Et effectivement, chacun, l'un fait la voie contemplative et l'autre suit la voie active. Et finalement, ils en arrivent à la même chose. C'est ça, hein? Oui, c'est Par ça, deux voies différentes. chacun réfléchit sur la vie Et de l'autre. finalement, ben, ils arrivent quand même à Dieu, quoi. Et ils arrivent à l'au-delà. Et puis, au fond, ils arrivent, parce que c'est ça, ils arrivent à une vie accomplie. Parce que notre vie, elle est transitoire. Puis, à un moment donné, c'est fini. Ça, c'est bien ça. Et puis, elle est finie. Puis, en même temps, elle est accomplie. Et en même temps, Narcisse et Goldmund soulèvent la question, qu'est-ce que c'est une vie réussie? Alors qui a réussi sa vie? Ils ont fait une vie totalement différente, puis finalement, ils ont réussi leur vie quand même. Donc finalement, tant qu'on en est à se demander ce que c'est que réussir notre vie, quand on dit à nos enfants, il faut quand même que tu réussisses ta vie, que tu deviennes ceci ou cela. Puis en fait, ça, je crois que c'est quand même une révélation de la maturité qui est présente dans ces textes. Finalement, quelle que soit la vie qu'on mène, c'est une vie réussie. Encore qu'il y a peut-être quand même, il faut prendre ça avec prudence, on peut quand même faire des choses. Alors là, ça devient abyssal, c'est clair. Mais peut-être pas trop angoissé sur l'idée d'être ceci ou de cela, d'une carrière. À un moment donné, il faut voir ça aussi avec détachement. J'aime bien ce poète américain, je crois de la Beat Generation, qui dit « Quand j'étais jeune, je pensais que... Il fallait que je devienne quelqu'un, que je fasse quelque chose. Et d'ailleurs, fait toutes sortes d'études, bien sûr, et tout. Mais older now, I think different. Je suis plus âgé. Ça n'a pas tellement d'importance. J'aurais pu faire cette voie ou une autre. J'aime bien ce poème parce que ça relie ces thèmes qui est bien développé chez Hermann Hesse, effectivement. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Maître Eckhart qu'on peut ou enfin que certaines personnes peuvent utiliser dans leur vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours? Oui, alors c'est là où je dirais qu'il est effectivement très moderne. Alors je répète un peu celle que j'ai déjà dite. Je crois que l'approche paradoxale est une des choses les plus utiles qu'on peut apprendre chez Eckhart. L'art de comprendre que nous vivons dans un monde paradoxal et comprendre que les choses sont là et sont le contraire. Qu'il y a différents angles aussi sur la vérité. Peut-être aussi qu'au fond, on aspire à la vérité, mais on ne la connaît pas, on ne la connaît jamais entièrement. Ça, chez Eckhart, c'est la dimension transculturelle qui est plus présente aujourd'hui aussi. Il y a différents humains, simplement parce qu'ils ont une autre expérience, ils voient la vérité autrement. Donc l'humilité, c'est clair, je crois que l'humilité est de toute façon un enseignement de base par rapport aux choses spirituelles. On ne détient pas la vérité, donc quelque part, il faut une humilité par rapport à ça, le détachement. Ça, c'est très présent dans la pensée d'Eckhart.
Je pense aussi que l'interculturalité est un bon exemple chez lui. Peut-être c'est justement ce qui fait un bon exemple de Maître Eckhart, c'est le fait que les penseurs qui venaient de traditions très différentes s'en sont emparés, ont montré, vous voyez, en fait, ça rejoint ce qu'on dit. Et je crois que ça, c'est des questions très importantes aujourd'hui, qui font que Eckhart est toujours actuel. Mais ce n'est pas un maître absolu. Je dirais qu'il y a des choses imparfaites. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce titre, maître, et à un moment donné, il faut se détacher du maître chez Eckhart, ça c'est sûr. Et j'aime mieux dire maître, se détacher du maître, que dans le bouddhisme, on dit qu'il faut tuer le Bouddha. Là, je suis plus prudent. Pourquoi tuer? À quoi bon casser? J'ai aussi, l'autre jour, j'ai parlé avec une musicienne qui dit qu'il fallait casser des choses qu'on a apprises. On n'a pas besoin de les casser, on s'en détache doucement, c'est plus facile. Donc, avoir peut-être des métaphores plus douces pour cette remise en place par rapport à un monde qui change et où aucune référence entière n'est entièrement acquise. Ça, c'est plus que jamais, ça c'est quand même vrai. Donc à la fois, c'est toute la fascination et la difficulté de notre époque qu'on voit, les gens cherchent toutes sortes de choses, ils cherchent à se renouer avec leur passé, ils remettent en scène toutes sortes d'époques, alors on a vu là des soldats romains, pour dire, moi j'aime bien un peu faire la référence comme arrière-plan de ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Il y a des soldats romains, il y avait des préhistoriques, mais bon, ensuite, le haut Moyen-Âge, la Renaissance, des Ostrogoths, des Visigoths, des Vikings, ensuite la Renaissance, et ça va jusqu'au 19e siècle. Et ce que je comprends bien, cette immense nostalgie qu'ont beaucoup d'Européens, je crois que ça concerne plus les Européens, mais je vous dis, vraiment, c'est pas propre, d'ailleurs, on voit des gens d'autres cultures, parce que le Moyen-Âge était déjà pluriculturel, donc la question est là, évidemment, elle est plus présente aujourd'hui. Mais c'est clair qu'ici, on est en Europe et on a cette immense nostalgie du 19e siècle, mais qu'on ne peut pas idéaliser trop. Mais il faut quand même dire que cette dernière période, on appelle ça la belle époque. Avant la guerre de 14, où c'est clair que nos ancêtres européens ont vraiment fichu en l'air l'Europe. Et puis, il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs, ça c'est sûr, puisque l'année prochaine, on célébrera le centenaire de la guerre de 14. Moi, je le prends avec un certain détachement, parce que je ne suis pas historien. Peut-être juste réfléchir à comment peut-être nos ancêtres ont fait pour entrer dans cette folie dont on serait bien passé. Il paraît qu'elle était évitable. Il paraît, je ne suis pas spécialiste, mais la guerre, ils auraient pu faire l'Union européenne à l'époque. Voilà. Donc c'est des erreurs, elles ont été faites, on ne peut pas passer l'éponge sur ce qui s'est fait, il faut garder la mémoire. Surtout que c'est ensuite la Deuxième Guerre mondiale qui était encore bien pire. Et en même temps, donc, les gens, après ces deux guerres, je crois que le terme « belle époque » est quand même venu après que les gens ont connu la guerre de 14. Et ça, c'est peut-être bien de retenir ça, de dire « tiens, avant, c'était quand même la belle époque, c'est pas pour rien qu'ils disent ça ». Mais quand on analyse de plus près, c'était pas parfait, c'est comme le Moyen-Âge. Donc on l'idéalise un peu, et c'est là où il faut peut-être quand même garder aussi un détachement et être vraiment entièrement dupe. Mais c'est un thème qui me fascine, justement lié à cette notion de nostalgie, qui lui-même est inadéquat. En fait, je n'aime pas ce terme. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on appelle ça le renouveau médiéval, le néo-médiévalisme, en fait, c'est pas une façon d'exprimer cette nostalgie, mais de donner vie à quelque chose. Oui. En même temps, c'est propulsant vers quelque chose. C'est propulsant. C'est pas, pas larmoyer. C'est comme toute chose, c'est ambivalent. Oui. Ça peut être bien ou moins bien, mais en même temps... moi, je trouve que là, ce que j'ai vu, il gère ça très bien. Et à ce titre, c'est clair que c'est quelque chose qui donne un sens à la vie, une joie à la vie, un recul aussi, un sens critique par rapport au monde actuel, parce que le monde actuel a aussi ses défauts. Il a énormément de qualités, on n'a jamais eu... Beaucoup de choses sont fascinantes dans le monde d'aujourd'hui. Et il ne faut pas l'oublier, tout ce qu'on fait, c'est quand même... le développement des technologies actuelles qui le permet. La conclusion de ma thèse, qui n'est pas une conclusion, je parle du médiéval au médiatique. Oui. Et être dans une foire comme celle-ci avec vous, c'est un moment où le médiéval est dans le médiatique, où le médiatique est dans le médiéval. Et le médiéval est très médiatique parce qu'il est visuel. Et j'aime bien la métaphore du médiéval, et à ce sens-là, j'espère, dans ce sens-là, être toujours dans le Moyen-Âge, parce que c'est chercher le juste milieu entre les opposés. Donc, si on était toujours au Moyen-Âge dans ce sens-là, si on était toujours médiéval ou néo-médiéval, c'est pas quelque chose d'extrême, c'est pas quelque chose de sectaire, c'est plutôt essayer de faire la part des choses. Donc là, j'essaie d'avoir
peut-être un peu pour finir, une interprétation spirituelle du mot médiéval et néo-médiéval, puisque c'est le contexte de l'émission que vous me proposez, et qui est très stimulant en soi pour moi. Donc on propose un thème comme ça, néo-médiéval, qu'on réfléchisse sur ça. Et néo-médiéval, ça peut dire que, d'une part néo, parce que il faut toujours rendre la vie nouvelle, on a besoin du nouveau. Et rendre la vie nouvelle, c'est la vivre dans l'ici maintenant, sentir l'ici maintenant comme quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, chaque instant est nouveau. À chaque moment, on est dans un monde nouveau. Et à la fois, on n'est pas, c'est l'ambivalence du New Age. Des fois, les gens disent nouillage. Alors ça, c'est de nouveau, là, effectivement, il y a de quoi en rire parce que ça peut partir dans le décor. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, il faut quand même vivre chaque jour comme si c'était le premier, donc un jour nouveau, l'instant présent. Et puis en même temps, visiblement, on a un plaisir à la mémoire. Tous les humains ont un plaisir, un attachement, et peut-être aussi un enseignement de la mémoire, puisque là j'ai évoqué les horreurs des deux guerres mondiales. On en garde aussi une mémoire, un traumatisme, et donc un enseignement, ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Erreurs et horreurs, voilà. Donc on est fait de ces deux choses, et c'est bien si on est des êtres de mémoire, et si on vit dans l'instant présent, ça ne veut pas dire qu'il faut tout oublier. Mais en même temps, si on veut vraiment se renouveler, il faut vivre dans l'instant. Il faut aspirer toujours à goûter pleinement le moment présent. Ça, c'est sûr. Et ça, Eckhart le dit, il parle en Mittelhochdeutsch du « ewiges Nun », « das ewige Nun », l'éternel présent. C'est un terme magnifique, qui est très repris aujourd'hui, mais c'est chez Maître Eckhart. Vivre dans l'instant présent, goûter l'éternel présent, c'est chez Maître Eckhart. Et ça, c'est des enseignements qui montre que dans la philosophie, comme on comprend au sens traditionnel, le rôle premier de la philosophie, c'est non seulement de démontrer intellectuellement, mais de faire ressentir aux gens ce lien étroit qu'il y a entre la philosophie et la vie. Une belle expression. Oui, la philosophie et la vie. Est-ce qu'on conclurait sur ces mots-là? Moi, je pensais qu'on peut conclure là-dessus, oui. Et presque dire un silence, j'ai plus rien à dire, je ne peux pas développer ce terme. Mais je crois que cette phrase est en soi une conclusion et aussi une perspective vers le fait que la vie continue et qu'on va arrêter cette émission, mais votre vie continue, la mienne aussi. Je nous la souhaite à tous la plus longue possible. Puissions avoir une longue vie et voir longtemps le soleil. Voir le soleil, donc... voir quand même l'émerveillement de la vie, parce que la vie a un côté peut-être terrible des fois, mais aussi merveilleux. Et pour vivre vraiment pleinement la vie, il faut toujours la tourner. C'est de l'alchimie, c'est transformer la chose pour voir quand même le bon côté de la vie, le côté merveilleux de la vie. Et là, tant que nous sommes en vie, nous sommes en marche, et nous n'avons jamais la vérité définitive, parce qu'à chaque instant, cette vérité est la réalité d'un moment, comme ici, maintenant, où on s'est trouvé. Et ça continue, parce que tout à coup, on va se dire au revoir, et au fond, l'instant présent continue dans autre chose. Et donc, c'est à la fois une vérité éternelle, intemporelle, et qui est en permanente transformation. Et peut-être que là, la phrase finale, c'est une citation de Maître Eckhart, concernant Dieu, Dieu qui est la vie, qui est l'essence de la vie, l'essence du fait que la vie soit là, c'est Dieu. Et Eckhart dit, Dieu, il est à la fois éternel, la déité au-delà, incompréhensible, au-delà, mais en même temps, Dieu devient et change. Et Dieu qui devient et change, ben, c'est l'aventure de toute la vie, de toutes les vies qu'on mène. Voilà. C'est à la fois cet aspect intemporel et une transformation continue. Voilà, je vous remercie. En tout cas, merci infiniment. Donc, nous allons continuer la vie et peut-être retourner selon l'histoire de Pontoise où chacun va vaquer. À ses occupations. En tout cas, mais merci beaucoup, plaisir, Wolfgang Wackernagel. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous avez un site où vous avez... Oui, vous tapez mon nom de recherche, les livres sont dans toutes sortes de librairies. Il y a Vrin, Payot Rivage, c'est Maître Eckhart. J'ai fait de nombreuses émissions sur d'autres thèmes. C'est ce que j'allais dire, beaucoup d'émissions de radio. Je suis un peu un touche-à-tout, donc j'ai un peu de peine à remettre à jour ma biographie. Mais on la trouve, j'ai un site qui s'appelle imago.net. Il y a un abrégé, c'est wolfi.ch, voilà, avec Y, ou imago avec Y aussi, ymago.ch. Mais ce site, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas mis à jour. Donc voilà, on est toujours en décalage, et surtout quand on essaye pourtant dans le virtuel de faire quelque chose, la vie continue, et on est de nouveau dans le décalage.
Et là, je me réjouis parce qu'on va encore faire un petit bout de chemin ensemble. Et puis revoir cette foire médiévale qui a en partie déteint sur les propos qu'on a eus ensemble. Avec grand plaisir. Avec grand Et plaisir. Puis, peut-être à une prochaine émission ou à une prochaine fois. Merci Avec beaucoup. Plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.